c'est un message assez dense du pape François adressé au clergé local, une feuille de route pour l'église de Marseille, un message pour encourager l'église locale à se mettre au service des fidèles, à prendre soin des personnes les plus fragiles, les blessés de la vie, a dit le pape François, qui a encouragé les membres du clergé à exercer leur ministère avec compassion, avec proximité, avec tendresse. Le bon pasteur ne juge pas la brebis égarée. Voilà les paroles du pape. Très Saint-Père, nous venons de prier dans cette belle basilique de Notre-Dame de la Garde, si chère au cœur des Marseillais. Et maintenant, nous voici devant cette stèle qui est érigée derrière moi, face à la mer, en hommage aux marins et aux migrants qui ont péri dans le linceul des flots. Dans le cours de votre voyage à Marseille, cette étape est sans doute l'une des plus émouvantes. La Méditerranée qui s'offre à nos regards, si belle et si paisible, peut aussi devenir, nous le savons tous, un cruel cimetière. Quand des marins disparaissent en mer,
C'est bien sûr un drame pour leur famille, mais cela faisait partie des risques de leur métier. Mais quand des hommes, des femmes et des enfants, ne connaissant rien à la navigation, fuyant la misère et la guerre, sont dépouillés de leurs biens par des passeurs malhonnêtes qui les condamnent à mort en les faisant monter sur des embarcations vétustes et dangereuses, c'est un crime. Et quand les institutions politiques interdisent aux organisations non gouvernementales et même aux navires qui croisent dans ces eaux de porter secours aux naufragés, c'est un crime tout aussi grave et une violation du droit international maritime le plus élémentaire. Ceux qui sont ici avec vous ce soir, très Saint-Père, vous remercient chaleureusement pour le courage et la ténacité avec laquelle, depuis 10 ans, depuis votre tout premier voyage sur l'île de Lampedusa, vous défendez la cause des personnes migrantes envers et contre tout. Oui, en notre nom à tous, merci, cher pape François. Sont ici présents des responsables d'associations qui travaillent au service des migrants. Sont également présents à vos côtés les responsables de Stella Maris, le service international de la pastorale maritime, très présent et actif sur le port de Marseille, qui concerne à la fois le diocèse de Marseille et celui d'Aix-en-Provence. Mais je voudrais surtout souligner la présence, juste à côté de vous, des responsables de toutes les religions présentes dans cette ville. Et je voudrais tout particulièrement souhaiter une bonne fête en ces jours à nos amis de confession juive qui sont venus ce soir, très Saint-Père. On a aménagé l'horaire pour que ensuite ils puissent faire ce qu'il convient, car c'est Shabbat. Merci à vous d'être venus. La ville de Marseille a été pionnière en créant en 1990, sous l'impulsion de son maire Robert Vigouroux, une instance appelée Marseille Espérance, qui réunit régulièrement tous ses responsables dans le cadre de la laïcité républicaine, afin de veiller ensemble sur la paix et la cohésion sociale de notre grande ville. Les maires qui se sont succédés, Jean-Claude Gaudin, Michel Rubirola, puis Benoît Payan, ont eu à cœur de favoriser cette contribution des religions à la paix, et nous leur en sommes grandement reconnaissants. À vous, très Saint-Père, nous voudrions maintenant, avec vous, nous recueillir en pensant à ces visages de femmes, d'hommes et d'enfants qui, chaque jour, et peut-être même ce soir, luttent pour survivre et espèrent des secours. Grazie, caro Papa Francesco, per accompagnarci e guidarci. Grazie. Merci beaucoup. Vous êtes courageuse. Cari fratelli e sorelle, grazie per essere qui. Dinanzi a noi c'è il mare, fonte di vita, ma questo luogo evoca la tragedia dei naufragi che provocano morte. Siamo riuniti in memoria di coloro che non ce l'hanno fatta,
che non sono stati salvati. Non abituiamoci a considerare i naufragi come fatti di cronaca e i morti in mare come cifre. No. Sono nomi e cognomi, sono volti e storie, sono vite spezzate e sogni infranti. E penso a tanti fratelli e sorelle annegati nella paura, insieme alle speranze che portavano nel cuore. Davanti a un simile dramma non servono parole, ma fatti. Prima ancora, però, serve umanità. Serve silenzio, pianto, compassione e preghiera. Vi invito ora a un momento di silenzio in memoria di questi nostri fratelli e sorelle. Adjuk, hogy megtörjön a szívünk az ő tragédiájuk láttán. Troppe persone in fuga dai conflitti. A konfliktusok, a szegénység és a környezeti katasztrófák elől menekülő emberek közül túl sokan találnak a földközi tenger hullámain végső elutasítást a jobb jövő keresése közben. A gyönyörű tenger egy hatalmas temetővé vált, ahol sok testvért még a sírhoz való jogától is megfosztottak, és csak az emberi méltóságot temetik el. A Kisöcsém című könyv tanúság tételében a főszereplő Guineai köztársaságból Európába vezető viszontagságos út végén azt mondja: amikor tengeren ülsz, válaszúthoz érkezel. Az egyik oldalon az élet, a másikon a halál. Más kijárat nincs. Barátaim, előtt egy válaszút áll. Az egyik oldalon a testvériség, amely megtermékenyíti az emberi közösséget a jósággal. A másik oldalon a közöny, ami vértont a földközi tengeren. A civilizáció válaszút előtt áll. O la cultura dell'indifferenza, che ognuno si arrangi come può. Non possiamo rassegnarci a veicci. Nem tűrhetjük, hogy az embereket árucikként kezeljék, bebörtönözzék és kegyetlen módon megkínozzák. Nem nézhetjük tovább a gyűlölködő emberkereskedelem és a közöny fanatizmusa által okozott hajótörések tragédiáit. Non possiamo più assistere ai drammi dei naufragi dovuti a traffici odiosi e al fanatismo dell'indifferenza. A hullámokba vetett vízbe fulladással fenyegetett embereket ki kell menteni. Ez emberi kötelesség, ez polgári kötelesség. Az ég áldani fog minket, ha a szárazföldön és a tengeren tudjuk, hogyan kell gondoskodni a leggyengébbekről, ha le tudjuk győzni a félelem és az érdektelenség bénultságát, amely bársonykesztyűvel ítéli el a halált.
Siamo chiamati a Isten valóban megáldotta Ábrahám atyánkat. Elhívást kapott, hogy elhagyja hazáját. Elindult, anélkül, hogy tudta volna, hová megy. Idegen földön vendégként és zarándokként fogadta a vándorokat, akik elhaladtak sátra előtt. Hazájából száműzve, otthontalanul, ő maga volt mindenki otthona és hazája. És vendégszeretetének jutalmául egy utódot kapott. Alle radici dei tre monoteismi mediterranei c'è dunque l'accoglienza, l'amore per lo straniero, in nome di Dio. E questo è vitale se, come il nostro padre Abramo, sogniamo un avvenire prossimo. Non dimentichiamo il ritornello della Bibbia. L'orfano, la vedova e il migrante, lo straniero. Orfano, vedova e lo straniero. Questo che Dio ci manda di custodire. Noi credenti dunque dobbiamo essere a mediterrán monoteizmus háromszegletűségének gyökerében tehát a befogadás, az idegen iránti Isten nevében való szeretet található. És ez létfontosságú, amint a mi atyánk Ábrahám virágzó jövőről álmodunk. La peste ideologica del fondamentalismo che corrodono la vita reale. Nekünk hívőknek tehát példamutatónak kell lennünk a kölcsönös és testvéri befogadásban. A quanto scrisse un uomo di Dio vissuto non lontano da qui. Nessuno custodisca nel suo cuore sentimenti di odio per il suo prossimo. Ma amore, perché chi odia anche un solo uomo non potrà starsene tranquillo. A vallási csoportok közötti kapcsolatok gyakran nem könnyűek, mivel a szélsőségek ideológiai csapása megrontja a közösségek valós életét. Ezzel kapcsolatban azonban szeretném hangoztatni azt, amit egy nem messze innen élt istenfélő ember írt. Senki ne őrizzen szívében gyűlöletet fele barátja iránt, hanem csak szeretetet, mert aki akár csak egy embert is gyűlöl, nem állhat meg nyugodtan Isten előtt. Isten nem hallgatja meg imáját mindaddig, amíg haragot tart szívében. Ma Marse is, amelyet gazdag vallási pluralizmus jellemez, válaszút előtt áll, találkozás vagy konfrontáció. És köszönöm mindannyiuknak, akik a találkozás útját járják. Köszönöm szolidaritásukat és konkrét elkötelezettségüket az emberiség előmozdítása és integrációja iránt. Gyönyörű, hogy itt van a Marseille Espérance, a vallási párbeszéd testvériséget és békés egymás mellett élést elősegítő szervezete. A párbeszéd úttörőire és tanúira tekintünk, mint például Jules Isaac, aki a közelben élt, és akinek halálának 60. évfordulójára nemrég megemlékeztek. Ti vagytok a jövő Marseille. Menjetek előre csüggedés nélkül, hogy ez a város Franciaország, Európa és a világ számára a remény mozaikja legyen. Az utolsó jó kívánságként szeretném idézni David Sassoli néhány szavát Bariban, egy korábbi mediterrán találkozón elhangzott beszédéből. Bagdadban, a Kalif al-Mamun bölcsesség házában zsidó, keresztények és muszlimok találkoztak, hogy az ősi szent könyveket és a görög filozófusokat olvassák. Ma mindannyian hívők és világiak egyaránt érezzük annak a szükségét, hogy újraépítsük azt a házat, hogy együtt harcoljunk bálványok ellen, lebontsuk a falakat, hidakat építsünk, és megteremtsük az új humanizmust. Mélyen szemlélve korunkat, még jobban szeretni akkor, amikor nehéz szeretni. Azt hiszem, ez a mag, amelyet ezekben a sorsunkra oly figyelmes napokban vetünk el. Così attente al nostro destino. Basta di avere paura dei problemi. Ne féljünk többé a problémáktól, amelyekkel a földközi tenger szembesít bennünket. Per l'Unione Europea
Az Európai Unió és mindannyiunk számára a túlélésünk múlik rajta. Testvéreim, nézzünk szembe együtt a problémákkal. Ne hagyjuk, hogy a remény szerte foszoljon. Állítsuk össze közösen a béke mozaikját. Tanti di voi che vanno in mare per salvare i migranti e che tante volte vi impediscono di andare perché alla nave manca qualcosa, manca quell'altra, quell'altra. Sono i gesti di odio contro il fratello, travestiti di equilibrio. Grazie per tutto quello che fate. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand notre embarquement pour l'Italie a été décidé, on a confié Paul et quelques autres prisonniers à un centurion nommé Julius, de la cohorte Augusta. Montés à bord d'un bateau d'Adramitium, sur le point d'appareiller pour les côtes de la province d'Asie, nous avons gagné le large. Ayant avec nous Aristarque, un Macédonien de Thessalonique. Il s'était écoulé pas mal de temps, puisque même le jeûne du grand pardon était déjà passé, et déjà la navigation était devenue dangereuse, si bien que Paul ne cessait de les avertir. Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommages, ni beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et le bateau, mais encore pour nos vies. Mais le centurion faisait davantage confiance au pilote et à l'armateur qu'aux paroles de Paul. Comme un vent, les jets du sud s'étaient mis à souffler, ils s'imaginaient pouvoir réaliser leur projet. Ayant donc levé l'ancre, ils essayaient de longer de près la crête. Mais presque aussitôt, venant des hauteurs de l'île, s'est déchaîné le vent qu'on appelle Héraculon. Le bateau a été emporté, sans pouvoir tenir contre le vent. Nous sommes donc partis à la dérive. Le lendemain, comme la tempête nous secouait avec violence, on a jeté le superflu par-dessus bord. Le troisième jour, les matelots ont lancé, de leurs propres mains, le gréement du bateau à la mer. Depuis bien des jours, ni le soleil, ni les étoiles ne se montraient, et une tempête d'une violence peu commune continuait à sévir. Désormais, tout espoir d'être sauvé nous était enlevé. Les gens n'avaient plus rien mangé depuis longtemps. Quand il fit jour, on ne reconnaissait pas la terre, mais on apercevait une baie avec une plage vers laquelle on voulait, si possible, faire avancer le bateau. Les matelots ont alors décroché les ancres pour les abandonner à la mer. Ils ont détaché les câbles de gouvernail et hissé une voile au vent pour gagner la plage. Mais ayant touché un banc de sable, ils ont fait échouer le navire. La proue, qui s'était enfoncée, restait immobile, tandis que la poupe se disloquait sous la violence des vagues. Les soldats ont eu alors l'intention de tuer Paul pour éviter que l'un d'entre eux s'enfuit à la nage. Mais le centurion, voulant sauver Paul,
les a empêchés de réaliser leur projet. Il a ordonné de gagner la terre à ceux qui savaient nager, en se jetant à l'eau les premiers, aux autres, soit sur des planches, soit sur des débris du bateau. C'est ainsi que tous sont parvenus à terre sains et saufs. Une fois sauvés, nous avons découvert que l'île s'appelait Malte. Aujourd'hui, ils sont des millions jetés sur les routes et les mers du monde par la guerre, la misère, les persécutions politiques ou religieuses. Ô Dieu, nous te prions. Éclaire leur route, guide-les sans trêve, afin qu'aucun ne se perde, afin qu'ils trouvent des portes et des cœurs ouverts pour les accueillir, une terre pour se reposer, un avenir pour eux-mêmes et leurs enfants. Ô Dieu, nous te prions. Père de tous les peuples, entends notre prière. Éloigne d'eux la tentation de violence et du désespoir, afin qu'ils trouvent en toi, Seigneur, la source de l'espérance dans les difficultés de ce qu'ils peuvent vivre. Ô Dieu, nous te prions. Père de tous les peuples, entends notre prière. À ceux qui ont la charge de les accueillir, donne un cœur humble afin qu'ils se mettent à l'écoute de ces hommes et de ces femmes exilés, pour apprendre à les connaître, à les comprendre. Ô Dieu, nous te prions. Père de tous les peuples, entends notre prière. À ceux qui ont la charge de les accueillir, apprends-leur à servir sans jugement. Fais d'eux des instruments de ta paix. Pour eux, Seigneur, nous te prions. Père de tous les peuples, entends notre prière. Seigneur, personne n'est pour toi étranger. Et nous,
n'est si loin que tu ne puisses les secourir. Regarde en ta bonté les réfugiés, les exilés, ceux que l'amour rejette, et les enfants séparés de leur famille. Accorde-leur de retrouver une patrie et donne-nous et vers la pauvre et l'étranger la sollicitude que tu les portes. Oh,
Yeah.
Dieu. Merci pour l'accompagnement des migrants. Gloire à Dieu, je suis très très contente aujourd'hui. Je suis dans la joie. Le Saint-Père nous a bénis. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.